Salut à tous, c'est Kino et nous voilà aujourd'hui de retour pour fêter un nouvel anniversaire. Le 6 novembre 2020, Halo 4 fête ses 8 ans, déjà. Halo 4 est le premier jeu à part entière de 343 et représente un tournant dans la franchise Halo. Aujourd'hui, pour marquer ce coup, je vous propose de ressortir les bonbons qui vous restent d'Halloween et voir 5 points qui m'ont fait vibrer sur Halo 4. Et voilà, c'est pas la première fois que je le dis, mais je n'aime pas de chiffres. Or, 343 réalise l'impensable selon moi, me faire m'attacher au Spartan 117. Toute la narration de la campagne repose sur la relation entre Chief et Cortana, pour se terminer sur ce jeu de qui est le plus humain entre les deux. Et je trouve ça vraiment génial. C'est comme si 343 validait le travail de Bungie en parlant de 117 comme de ce robot, sans émotion, pour aller lui tirer son humanité. Et ça marche! Pour marquer encore plus le coup, j'aurais fait ressortir cette humanité progressivement. Qu'au début du jeu, on reprenne un Major aussi peu bavard pour le faire évoluer sous l'émotion. Mais 117 est loin d'être le seul personnage qui pour moi a vraiment quelque chose de plus. Lasky, dont un Halo Culture a été fait récemment, est vraiment poignant dans son rôle. Comme le très critiqué Del Rio, qui est vraiment une loque sans nom, mais tellement bien réussi. Cortana transmet tellement, mais tellement d'émotions. Pour moi, ce jeu est un chef-d'œuvre sur le travail des personnages, ce qui m'interroge d'autant plus sur ceux de Halo 5. Pourquoi la plupart sont-ils aussi ras de terre? Bon, le sujet est pas là, point suivant. Pour moi, la meilleure de tout Halo confondu. Je ressens vraiment quelque chose de puissant sur la musique de ce jeu que je ne ressens pas ailleurs. Je pourrais pas vous en parler en détail parce que je ne suis pas musicien du tout. Je ne peux que vous dire qu'elle me transporte et qu'elle m'inspire plus que sur n'importe quel autre Halo. C'est à mes yeux le mode le plus sous-estimé de toute la licence Halo. Combien de fois j'entends dire « Ah, mais c'est chiant, on refait tout le temps les mêmes maps !» Et moi je réponds à chaque fois « Quand tu vas en multi, tu refais tout le temps les mêmes maps !» Certains trouvent peut-être moins kiffant d'affronter des Covenants, mais pour moi c'est une véritable seconde campagne au sein du même jeu. De plus, la manière dont elle est apparue nous donne vraiment l'impression de DLC gratuit toutes les semaines. Sans compter les cinématiques, qui sont quand même époustouflantes. On sent que derrière il n'y a pas eu le même travail et la même implication que sur la campagne, mais ça n'enlève pas un véritable travail que je trouve vraiment formidable. Et rien que l'idée de savoir, un peu repris de Reach, que notre Spartan du multi a été au-dessus de Requiem pour vivre tout ça, ça me plaît. Je m'accroche peut-être à des subtilités, mais c'est justement les subtilités qui marquent parfois plus que n'importe quoi d'autre. Je triche peut-être un peu, et encore, mais Halo 4 ouvre un véritable univers étendu avec lui. On en apprend plus sur les Forerunners, les mondes boucliers, ou même les Halo grâce à ce jeu, ces cinématiques sont Spartanobs sous les terminaux. Et la construction de l'univers autour du jeu élève Halo du simple jeu de tir futuriste à un véritable univers construit et cohérent. On a la véritable impression que des milliards de choses peuvent être découvertes. Qu'au fil des missions, on passe peut-être à côté de choses fantastiques, comme de vieux secrets Forerunner ou même précurseurs. Halo a vraiment vu son lore exploser littéralement avec Halo 4. Et 343 a directement acheté ma confiance avec tout le travail réalisé sur ce jeu. En droite ligne de Reach, Halo 4 a été l'un des jeux qui a donné le plus de naissance en termes de machinima ou de montage. Et moi qui suis un adorateur de ce genre de choses, j'ai vraiment une nostalgie pesante envers cette époque et ce jeu. Qui proposait peut-être une map dédiée à la forge moins spectaculaire que celle de Reach, mais qui offrait des espaces bien différents, dans l'espace, au sol, de quoi faire passer les machinima à un tout autre niveau. Le nombre d'armures était extraordinaire, bref, un vrai kiff. Allez, un petit point bonus, mais il fallait vraiment que j'en parle. Ma mission préférée, la manière dont elle commence, avec une défaite du Chief. Pour autant, il se relève et repart au combat.
La course façon Star Wars pour entrer dans le vaisseau du Dédacte, avec cette musique, cette ambiance de guerre au-dessus, les paroles de Lasky qui me collent encore des frissons, cette fin où Chief active la bombe et cette cinématique avec Cortana. Je ne m'en suis toujours pas remis. Je parle souvent que Reach est mon Halo préféré, mais cette place dans ce classement personnel tient à pas grand-chose. Halo 4 est vraiment très haut à mes yeux, et la seule différence qui n'a pas réussi à mettre Halo 4 au sommet réside dans la rejouabilité de sa campagne. En termes de gameplay pur, celle de Halo 4 m'ennuie vite, contrairement à celle de Reach. Et voilà où est toute la différence. Et vous alors? N'hésitez pas à nous écrire votre top 5 des points que vous préférez dans le jeu, c'est toujours un plaisir de vous lire. En attendant, je vous dis à très vite et vive Halo !